partir pour une lune de miel à Venise. Un décor de cartel mexicain comme le cartel de Don Pablo. Don Pablo. Qu'est-ce que vous mangez, mademoiselle? Des fraises, elles sont trop bonnes. Qu'est-ce que vous avez mangé tout à l'heure? J'ai mangé des pâtes carbonara. C'est vrai ça? Oui, avec quoi dessus? Plein de parmesan. Ah ouais, plus de la gueule quoi. Ouais, plus de la gueule. J'ai pris une petite pizza champignon jambon. Et quand la météo elle t'annonce pluie, orage et tout. Yappa. On est en train de mourir sous la pluie là. Là avec mon manteau à capuche j'ai l'air d'un con. Là on va faire un petit tour dans le palais des doges. Palazzo Ducale. Yeah. Sin amore. Para todo cari. Thank you.
Là on est au... L'Aquarium Museum, donc c'est celui qui est tout au bout de la place Saint-Marc. Apparemment il serait sur la ville initiale. À travers les âges évidemment. Moderne et art oriental. Voilà. Alors, on a de la merde, une échelle, un œuf et de la moquette.
meuf, mon gars. Un meuf. Car moquette, je me rends vers là. Et de la merde. Continue avec un mec qui mange du raisin. Un dessin d'enfant de Naruto qui fait des screens. Et un miroir en concept. Oui, oui, oui. Et pourquoi Naruto? Parce que soit c'est un Sharingan, soit c'est le signe de Konoha. On attaque le côté oriental du musée, qui est beaucoup plus stylé. Aventure dans les micro-ruelles. Et toutes les sonnettes sont comme ça. À l'ancienne. La micro-ruelle. Et voici à la plaque. Voici à la place San Marco. La recherche d'un café ici. À Venise, on se perd. Et on tombe quand même sur des endroits super. Un parc et une serre. Une magnifique serre.
ils nous ont déposé à Burano. Ouais. Alors c'est connu pour ces maisons là, hyper colorées, la dentelle et apparemment ce que j'en apprends les consignes. Black love it, I'm so dizzy. Black love it, please get dizzy. Oh, 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 nothing to get old. Black love it, I'm in trouble. I'm so dizzy, please get dizzy. Man, 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 I'm not gonna get old. I'm in trouble. I'm so driven. Kids get driven. Oh, 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 oh. Now I'm not gonna get home. Fin du voyage, hein. Enfin, je vais pas filmer, je vais pas filmer demain parce que c'est le dernier jour, je vais ranger la caméra et tout, mais ouais, c'est fini. On part demain soir, on part demain vers 15h, donc il nous reste encore, on va dire, 4-5 heures dans la ville. Mais là, maintenant, on va se poser, on va être tranquille, on a fait le plus beau. On a vu ce qu'on voulait absolument voir. Donc ça va aller. Comme je disais, bah, c'est une ville... authentique, on n'a pas de grosses chaînes ou de trucs comme ça, ne serait-ce que Burger King, ils sont assez cachés donc ça gêne pas. Mais ça reste très touristique donc il y a du monde, il y a beaucoup d'étrangers, des gens perdus. Et si on s'organise un temps soit peu pour faire des musées et tout, c'est la galère. Ça casse un peu le romantisme et tout, mais sinon. C'est plus vivant que romantique, enfin plus authentique que romantique. Voilà. Natal Verona. Bah, à une prochaine pour un prochain voyage. Ciao.